Girl, what's up? I met you in the club. Next thing I know, you was naked in my tub. Your panties over there, your bra over there. I swear to God, I tell that pussy get up over here. Like I am Scorpion, no Mortal Kombat. But I swear to God, she get that dick and come back. Call me Mr. Comeback, come back Shawn Michaels. Swear to God, I hope the little woman got. Hey, hop les gens, comment allez-vous? Écoutez-moi, c'est vraiment très 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 bien. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, moi aujourd'hui je l'ai pour commencer cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, on est encore une fois sur Black Ops 2. Donc on est en domination hardcore sur la map Red. Ça va être simplement mon meilleur gameplay en non létal et je pense mon meilleur gameplay que j'ai réussi à faire sur Black Ops 2 en général. J'espère vraiment qu'il vous plaira les gars. Donc pour ce gameplay, je vais demander les 150 likes. J'espère vraiment les atteindre. En tout cas, je pense que le gameplay les mérite. Et puis donc voilà, donc on se retrouve pour une tentative quad nucléaire les gars. Et oui, vous avez bien entendu, quad nucléaire. Dans ce gameplay, j'ai vraiment envoyé du lourd comme on dit. Donc ça va être un gameplay à la M27. Alors au niveau de ma classe, je vais vous la détailler parce que je pense que c'est l'une de mes meilleures classes sur Black Ops 2. En tout cas pour la domination hardcore. Donc je jouais à la M27, poignée ergonomique, cross avec le chargeur rapide. Donc dès le début les gars, rapidement au niveau du gameplay, je vous ai tout de suite mis dans l'action. J'étais en série déjà pour ma première nucléaire. Vous allez voir que je vais la réaliser tranquillement. Et puis donc voilà, donc au niveau de la classe, la M27 avec la poignée ergonomique, avec la cross arrière, double chargeur. Je pense que c'est vraiment efficace, étant donné que pour bien gérer les spawns, et vu que les spawns m'étaient tenus par mon équipe soutien, le chargeur rapide est vraiment indispensable. Et puis donc voilà. Donc pourquoi la M27? C'est simplement parce que je pense que c'est l'une des meilleures armes en hardcore sur Black Ops 2, étant donné qu'elle a une très bonne cadence, et en hardcore, c'est ce qui compte. Au passage, je débloque ma première nucléaire. Donc quand je dis c'est ce qui compte, c'est la cadence est très importante pour vos duels au niveau de vos ennemis, étant donné qu'en hardcore c'est une balle, mais par contre comme la M27 a une grosse cadence, bah vous tuez plus vite, enfin, bref ça paraît logique. Et puis donc voilà, donc elle a également pas beaucoup de recul, elle est très bien pour des duels de longue distance, avec sa cadence ça équilibre un petit peu pour les duels de courte distance. Et puis donc voilà, donc au niveau de mes atouts, je me rappelais plus trop, j'avais sûrement dû mettre détermination il me semble, avec gilet pare-balles, pillard, dextérité, le C4 et l'insertion tactique. Voilà pour ma classe, je me rappelle pas trop bien, le gameplay date quand même d'il y a à peu près un mois. Et puis donc voilà, donc aujourd'hui dans cette vidéo les gars, je vais vous parler d'un sujet qui risque vraiment de vous plaire. C'était comment je me suis amélioré sur code. Alors ça c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'assez spécial comme sujet à aborder, étant donné que avant de commencer sur, comme toute personne, avant de commencer sur Black Ops 2, j'avais pas un très très bon niveau, j'étais loin d'être un joueur performance, je me sous-estimais beaucoup, pour moi je n'étais pas capable de sortir une double nucléaire. Et aujourd'hui j'arrive à faire des gameplays qui envoient du lourd quand même. Je ne prétends pas être le meilleur joueur ou quoi, mais je pense que quand même je fais de bonnes choses. En tout cas j'essaye de faire de mon mieux. Au passage regardez là, voilà, il y avait un duel, je savais qu'il allait venir, je savais que c'était le gars qui avait la Scorpion. Et voilà, j'ai fait, non il avait la MP7 je crois, ou je sais plus trop quoi. J'ai merdé, je savais que c'était lui, j'ai bien géré, j'ai bien regardé où il allait réapparaître et tout. Enfin bref, j'ai fait une connerie et ça m'a coûté une série, j'étais à 22 il me semble. Et puis donc voilà, donc là on est à la deuxième manche. Je me suis dit j'ai largement le temps pour faire encore deux nucléaires. Donc la quad bien sûr est fail. Et puis donc voilà, donc au niveau de mes commencements, comme vous pouvez le savoir, donc j'ai commencé sur Call of Duty 4. Ça a été vraiment pour moi l'un des meilleurs Call of. En tout cas, c'est le Call of où il n'y avait pas de prise de tête. Code 4, simplement pour sa simplicité, je pense, au niveau du jeu. Et puis voilà. Donc je vous le présente plus. Code 4, vous devez sûrement le connaître. Mais en tout cas, c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est le Call of où j'ai vraiment commencé à avoir le déclic pour la série de Call of Duty tout simplement. Et puis donc voilà, donc après je me suis beaucoup entraîné sur Black Ops 1 par exemple. Je sais que BO2 et Black Ops 1 n'ont rien à voir, mais c'est la même série, Call of Duty ça ne change pas. Et puis donc voilà, donc après on arrive à Black Ops 2. Donc sur Modern Warfare 3 j'y ai pas spécialement joué, vous savez que c'est pas le Call of que j'ai vraiment eu un gros déclic pour Modern Warfare 3 tout simplement. Et puis donc voilà, donc je me suis beaucoup entraîné, donc ne serait-ce qu'en partie privée par exemple avec mes amis ou quoi, on aimait bien comme ça nous des fois se jouer entre nous, faire des petits matchs de team en quelque sorte. Et puis donc voilà, donc ça je pense que ça a vraiment
ça m'a vraiment beaucoup aidé étant donné que j'étais pas le meilleur et je jouais souvent avec plus fort que moi et c'est vraiment en jouant avec plus fort que vous allez progresser. Ça, c'est vraiment le conseil que je pourrais réellement vous donner, c'est ne rage quittez pas quand vous voyez que vos ennemis sont vraiment bons, etc. Bon, bien sûr, je peux comprendre sur Black Ops 2 la connexion n'est pas fameuse, mais bon, de toute façon, on arrive enfin à Black Ops 2. Je pense que pour Call of Duty Ghost, si vous prenez des corrections ou quoi, ne rage quittez pas, ça ne sert strictement à rien. C'est en apprenant avec les plus forts que vous allez mettre des branlées aux plus faibles. C'est ce que je me suis toujours dit et croyez-moi, jusqu'à présent, ça a marché. Et donc voilà. Donc sur Black Ops 2, j'ai également fait du deserto, donc j'en ai pas fait énormément. Je me prétends pas être un deserto player ou quoi ou quoi. J'en ai fait un petit peu, j'ai fait quelques TS, tout ça. Je vous avoue que ça m'a pas mal aidé quand même. Alors, ce serait ce que rien au niveau de ma sensibilité. Je jouais avant en sensibilité max, donc sur BO1 par exemple en sensibilité 10. J'ai commencé Black Ops 2 en sensibilité 14. Je n'arrivais rien à faire, j'avais beaucoup de mal. Enfin, je vous le cache pas que quand j'ai commencé Black Ops 2, j'étais un petit peu un joueur du dimanche en quelque sorte. Et là aujourd'hui je joue en 106.5. J'essaie de m'adapter à une plus grosse sensibilité. J'ai un peu de mal, mais en tout cas votre sensibilité vous aide réellement les gars. Donc si ce serait vraiment le gros conseil que je pourrais vous donner dans cette vidéo, c'est ça. Au passage là je galère bien à le tuer. Voilà, j'ai eu de la chance parce qu'on était en hardcore. C'était donc un coup de bouclier pour que je meure. Là au passage voilà j'ai bien géré le respawn, ce qui m'a coûté ma deuxième nucléaire. Donc là il reste à peu près 2 minutes 30 par là au niveau du gameplay. Donc on est à la mi-deuxième manche de domination. J'ai largement le temps. Au passage là mon allié qui me tue, c'est pas grave, on lui en veut pas. Et puis donc voilà. Donc le réel conseil que je pourrais vous donner les gars pour s'améliorer, pour vous améliorer sur Call of Duty, c'est d'abord de connaître tous les spawns, ça c'est vraiment important. Par exemple quand je retourne sur Modern Warfare 3, un jeu que j'ai pas réellement... où j'ai pas réellement passé pas mal de temps, j'ai beaucoup de mal tout simplement parce que au passage là, j'ai failli me faire une petite frayeur, me tuer avec mon propre C4. Ça m'arrive beaucoup, je sais pas si vous aussi ça vous arrive. Et puis donc voilà, donc le conseil, je reviens rapidement là dessus, c'est vraiment de connaître tous les spawns, notamment pour être un bon joueur en multijoueur. Au passage il y a un petit lag, là c'était la connexion qui était pas fameuse dans cette partie. Donc de connaître tous les spawns, également de bien gérer sa sensibilité. Ça ne sert strictement à rien de jouer en sensibilité 14 pour ceux qui jouent en 14. Au passage vous pouvez entendre sûrement au niveau du son du gameplay, ça rageait pas mal. C'était drôle parce qu'en fait si vous voulez ça a pas mal rejoint dans cette partie, je les ai bien enchaînés etc. Et puis donc voilà, donc gérez bien votre sensibilité les gars. Apprenez à connaître tous les spawns sur chaque map, ça vous sera vraiment utile. Moi en tout cas c'est vraiment la chose qui m'a vraiment le plus servi. Dites-vous bien que ça ne sert strictement à rien de jouer en sensibilité 14. Alors certes il y a des bons joueurs qui jouent en sensibilité 14, mais on va prendre par exemple le meilleur joueur FR, donc pour moi qui est et pour pas mal de personnes, Gotaga. Vous regardez sa sensibilité, il joue en sensi 10 il me semble sur Black Ops 2, il joue en 12. J'avais un petit peu suivi, je m'étais un petit peu renseigné sur ça. Il a joué en 12, après il est passé en 10 et il disait réellement que de baisser sa sensibilité ça ne pouvait vous faire que du bien. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Au passage, à la fin de la vidéo, là voilà, je vais laisser les médailles. Malheureusement, je n'ai pas eu trop le temps. La partie s'est vite coupée. Et puis donc voilà, donc on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.